Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Les ODD, les objectifs ou programmes du développement durable pour la planète du Nouvel Ordre Mondial version 2.0 sont en train d'entraîner des transformations dans tous les domaines de la vie de tous les terriens. Il y a deux versions du Nouvel Ordre Mondial, l'ancienne version 1.0 accompagnée de l'agenda 2021, essentiellement gérée par les USA, leurs alliés, l'OTAN, une partie des francs-maçons et les Illuminati. Et la version 2.0, accompagnée par l'agenda 2030, gérée par une nouvelle alliance des francs-maçons qui l'ont reprise avec les mêmes buts mais beaucoup plus strictes, les Illuminati qui se sont alliés à eux, et un ensemble de pays comme la Russie, le Brésil, les pays asiatiques avec la Chine en tête de file. Cette présentation est la première vidéo d'une série de quatre et la perspective nationale du Nouvel Ordre Mondial. Les objectifs de développement durable, ODD, sont louables et ils sont déployés depuis un consortium extraterrestre de multiples races et gérés par la mise en place d'un gouvernement mondial adapté par l'Organisation des Nations Unies. Les ODD constituent l'agenda 2030 qui est la feuille de route du Nouvel Ordre Mondial et qui associe à chaque objectif des cibles à atteindre à l'horizon 2030. Voyons ce que sont les ODD. L'objectif numéro 1, éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. À commencer par la France, où il y a 2 millions de personnes sur 65 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. 2 millions de personnes. L'objectif numéro 2 est de mettre fin à la faim, réaliser la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Objectif numéro 3, assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous, à tous les âges. Objectif numéro 4, assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable, et promouvoir des opportunités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie. Objectif numéro 5, réaliser l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes et des filles. Objectif numéro 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Je vous conseille à ce propos de regarder un film intitulé Living Without Water, Vivre sans eau, sur Netflix, un documentaire qui s'intéresse aux nombreux habitants de Lima, la capitale péruvienne, où une journée d'accès à l'eau peut coûter jusqu'à une semaine de salaire. Pour bien prendre conscience de ce que cela veut dire de devoir vivre sans eau courante ou de rivière et sans assainissement. Nous n'y pensons pas parce que nous avons accès à l'eau sans limite, pour l'instant, mais des millions de personnes autour de la planète vivent sans eau et doivent faire des efforts considérables pour ne serait-ce que boire ou se laver. Objectif numéro 7, accélérer l'accès
à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Objectif numéro 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Objectif numéro 9. Construire une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser l'innovation. Objectif numéro 10. Réduire les inégalités dans et entre les pays. Nous reviendrons à cet objectif en particulier à la fin de la liste des 17 objectifs. Objectif numéro 11. Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. Objectif numéro 12. Assurer des modes de consommation et de production durables. Nous reviendrons aussi sur ce point d'ici quelques minutes pour bien comprendre ce que cela implique et les conséquences dans notre vie quotidienne. Objectif numéro 13. Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. Objectif numéro 14. Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le développement durable. Objectif numéro 15. Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, la lutte contre la désertification et stopper et inverser la dégradation des terres et la perte de la biodiversité. Objectif numéro 16, promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, permettre un accès à la justice pour tous et bâtir des institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les niveaux. Et le 17e et dernier objectif, renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. En d'autres termes, et pour reprendre les objectifs 10 et 12, ce sont les changements radicaux et nouveaux que nous attendions tous depuis des décennies. Imaginez un peu. Libérer la race humaine de la tyrannie de la pauvreté. Réduire les inégalités dans les pays, entre les plus pauvres et les plus riches, et d'un pays à l'autre. Mettre l'eau et les ressources planétaires à la portée de tous les habitants sur la planète. Et tout cela ne peut se faire qu'au moyen d'une croissance soutenue, inclusive et durable, qui ne sera possible que si la richesse ou les richesses sont partagées et si on s'attaque aux inégalités de revenus. Sur cette image, pour mettre fin aux inégalités de l'image 1, nous devrons non apporter une égalité en donnant à tous la même chose, qu'ils en aient besoin ou non, mais de donner, comme en image 3, la même possibilité à tous pour que la société se développe, comme dans l'image 4, par l'intégration de toute la population. Bien sûr, tout ceci a un coût pour nous, occidentaux, dont un très grand pourcentage a accès à l'eau,
à la nourriture, à l'énergie. Qu'est-ce que cela veut dire dans notre réalité quotidienne? Eh bien, cela signifie un nivellement des biens et des ressources, notamment pour les contribuables occidentaux qui vivent pour la plupart dans une société capitaliste de surconsommation. Ce qui signifie aussi retirer les biens des contribuables occidentaux qui seront redistribués à l'échelle internationale à mesure que leurs gouvernements s'occuperont de niveler l'économie de leur pays. Mais la seule redistribution ne suffira pas. Il faudra également que des changements radicaux soient apportés à la manière dont nos sociétés produisent et consomment biens et services, c'est-à-dire nous limiter dans tous les aspects de notre vie, consommation, nourriture, vêtements, et étendre notre respect de la nature et vis-à-vis des autres. Vous vouliez changer le monde. Eh bien, pour le changer, il suffit de changer la manière dont vous le voyez, non en termes d'objets de consommation, mais d'objets de respect. Nous ne consommons et nous ne prenons que le strict minimum. Combien de personnes sont-elles capables de le faire? Probablement très peu, car les systèmes de contrôle qui sont mis en place, que ce soit dans la sécurité et la surveillance, le respect des règles et des lois, ou des systèmes numérisés de contrôle, le sont parce que le public n'est pas capable de le faire lui-même ou de l'accepter comme une règle de vie incontournable. Regardons cette photo prise en 2015, il y a 7 ans, du festival de Glastonbury, qui est l'un des plus grands festivals de musique et d'art du spectacle du monde. Le festival se tient pendant 3 jours en Angleterre et il est largement connu pour sa musique pop, hippie et musique classique, mais on y trouve également de la danse, de la comédie, du théâtre, du cirque, du cabaret et de plus en plus d'interventions d'activistes et d'environnementalistes. Lorsque le festival fut terminé cette année-là, il y avait des tonnes de déchets laissés derrière eux par les festivaliers, survolés par les goélands qui profitaient des restes. C'était il y a 7 ans. À cette époque, bien sûr, les gens étaient peut-être moins conscients des conséquences de leurs actes sur l'environnement. Si je commente ces photos ici, ce n'est pas du tout dans un esprit critique de l'organisation du festival qui prévoit à chaque fois le nettoyage du terrain, le tri et le recyclage des déchets. Ce n'est pas du tout à l'organisation du festival que sont imputables ces tonnes de déchets et de plastique laissés derrière à la fin des concerts, mais bien au festivalier, au public lui-même, qui a encore et toujours une mentalité de total jean-foutisme, alors même que l'esprit du festival est un activisme pro-environnemental qui devrait rester en ligne directe du respect de l'environnement. Il y a donc chez le public 2 poids, 2 mesures. Ce que l'on clame sur une scène et devant les autres est ce que l'on fait de nos gestes quotidiens. On clame haut et fort être pour l'environnement et faire des efforts, et on laisse chacun derrière soi des sacs en plastique et des déchets qui n'ont rien à faire par terre et qui devraient être soit remportés chez soi, soit mis dans les poubelles à disposition sur le terrain.
c'est bien la mentalité humaine, terrestre, que j'interpelle ici. La majorité des gens, même s'ils sont des festivaliers réguliers, et bien qu'ils puissent encourager un activisme, s'en fichent vraiment. Aussi triste que cela puisse être, c'est la réalité. Les gens qui laissent tomber les déchets sont probablement ceux qui jettent leur ordure ou leur mégot encore enflammé par la fenêtre de leur voiture. Voilà donc en clair la raison ou les raisons du contrôle et de la surveillance qui s'intensifie et qui est répercutée par les différents gouvernements mondiaux. Si les populations étaient capables de se prendre en main et d'appliquer ces règles à leur vie de tous les jours, le contrôle ne serait pas un problème ni nécessaire. Le programme 2030, l'agenda 2030, souligne de manière claire et frontale que les modes de vie des terriens ne sont plus envisageables, qu'il va falloir vivre de manière plus propre, avec moins de pollution et davantage de respect à un niveau individuel, et que les populations les plus riches, avec une consommation importante de viande, de surgelés, de plats préparés, possédant un ou deux véhicules, de nombreux appareils électroménagers, avec la climatisation tant à la maison qu'au bureau, ne s'inscrivent pas dans une perspective d'équité. Vouloir imposer par la force la frugalité à tous les riches et aisés de ce monde au nom de l'idéologie d'une terre-mère, une expression qui figure dans le programme 2030, ne sera pas facile si l'on considère que tous veulent le changement, mais peu sont prêts à passer à l'acte. L'innovation frugale, ou faire mieux avec moins, est le choix d'une vie simple ou d'une grande sobriété dans la consommation et dans les comportements, sont un mode de vie qui n'est pas envisageable pour la grande majorité des gens qui ont été habitués à vivre dans le confort depuis la Seconde Guerre mondiale et à tout avoir n'importe quand et n'importe où. Les jeunes commencent à réagir. Je vous avais déjà parlé des étudiants d'AgroParisTech qui avaient publiquement appelé à fuir les métiers destructeurs qui leur étaient promis. D'autres jeunes diplômés de Polytechnique ont profité de la cérémonie de remise des diplômes du 25 juin 2022 pour afficher leur volonté d'accorder une plus grande importance aux enjeux environnementaux. L'un a ainsi affirmé qu'il était urgent d'accepter de renoncer à notre petit confort, un confort certes rassurant, mais délétère, dit-il. Un autre a estimé qu'en tant que personne exerçant un poste de haut niveau, son potentiel de nuisance environnementale sera probablement bien plus élevé que la moyenne. Et enfin, un troisième a proposé aux étudiants de s'ouvrir davantage à des savoir-faire dont leur génération est la première à ne pas avoir hérité du tout, comme le maraîchage, la mécanique, la construction, le soin aux autres, l'artisanat et toutes ces choses qui salissent les mains en réparant et en construisant plutôt qu'en détruisant et en aliénant. Bien entendu, il ne faut pas croire que les promoteurs de l'agenda 2030 affirme vouloir appauvrir le monde. Au contraire, le nouvel ordre mondial prendra soin de tout un chacun,
notamment grâce à une couverture de santé universelle et un minimum de revenus universel. L'objectif 3 de l'agenda 2030 consiste à promouvoir vie saine et bien-être au travers des programmes gouvernementaux veillant à la santé mentale ou aux soins reproductifs et une limitation des populations. Par ailleurs, l'éducation, cheval de bataille pour former les jeunes au socialisme international, ne pourra fonctionner qu'en colonisant les esprits, particulièrement ceux de la future génération. C'est ainsi que le programme 2030 se veut une charte pour le 21e siècle. Les enfants et les jeunes sont des agents essentiels du changement et trouveront dans ces nouveaux objectifs l'inspiration qui leur permettra de mettre leur infinie capacité d'action au service de la création d'un monde meilleur. L'agenda 2030 vise à s'assurer que les enfants disposeront de tout le savoir et de toutes les compétences nécessaires à la promotion du développement durable. Elle comprend la promotion du contrôle de la population, de la planification centralisée, de la gouvernance mondiale. Les 193 gouvernements représentés à New York ont unanimement applaudi l'adoption de cette charte de redéfinition de la civilisation le 25 septembre 2021 lors de la 70e réunion annuelle de l'Assemblée générale. Et bien entendu, la France en fait partie. Depuis la fin 2021, le nouvel ordre mondial 2.0 se développe régulièrement et de manière stable, et il progresse dans tous les pays. La première génération de nouveau-nés après le vaccin est strictement surveillée par les grandes bases universelles de données, le large test de données du réseau neuronal de l'Internet de tout au centre de Shanghai a été un succès et une étape importante dans le nouveau monde qui est en train de se construire. La Chine et les pays asiatiques qui sont en avant a toujours été un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement global et un défenseur de l'ordre international. C'est justement en raison de l'émergence pacifique de la Chine que l'OTAN ne peut plus faire la pluie et le beau temps comme auparavant et qu'elle se sent ainsi défiée. La Chine a réalisé l'épanouissement d'une population de 1,4 milliard d'habitants. C'est une contribution énorme. Si la Chine échouait à se développer, un grand nombre d'habitants pauvres deviendraient des réfugiés et ce serait là une menace pour tous les autres pays. Voici là où les dates du direct. Je vous retrouve dans la vidéo suivante, la numéro 2, pour continuer à investiguer le nouvel ordre mondial version 2.0 vu depuis la perspective des Illuminati. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.